responsable programme dans le Réseau national défense de l'Amoun, RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat, dénoncé sa relais irresponsabilité l'État haïtien par rapport à la dernière violence gang armée commette lundi 20 mars 2023 dans la zone Kago, Mayotte, Métivier, zone Pétionville, côté 9 moun mouri avec plusieurs caïboulés. Encore une fois, autorité livré pays à bay bandi armé. Encore une fois, et bandi yo montré que yo très puissant. Yo très puissant pour qui ça? Parce que la police pas recherché yo, particulièrement chef gang armé yo, qui très connu et que yo dit nous, entre guillemets, que yo activement recherché, mais c'est de temps en temps que n'a pas rejoint non ça yo dans des épisodes de violence. Yo pas poursuivi yo, parce que autorité judiciaire yo pas mette en ken action publique en mouvement contre bandi armé ça yo. Bon côté parle. Docteur Franz Lage, qui dit, problème insécurité, hein, y a une répercussion négative sous vie et fonctionnement. Chaque citoyen, quoi, haïtien, dans la diaspora, aux États-Unis, doit rencontrer avec autorité américaine, pour corriger la situation, hein, parce que, d'après ça, dit, trop d'âmes entrées illégalement dans le pays d'Haïti. Les amis d'Haïti, aux États-Unis et la diaspora haïtienne, supposés chita, avec le gouvernement américain, avec les autorités américaines qui ont résolu le problème. Ça. Mm-hmm. Et ceci finit en vain toute démagogie de bateau, de l'OFFADA, tout le bail, ça c'est de la foutaise, parce que le premier problème là, c'est ça. Et encore une fois, faut que nous interrogions également la racine du problème, parce que encore une fois, on met caché des bails, ça. Pendant ce temps, Nations Unies fait connaître, bandit a métrouillé 531 mounes, et a kidnappé 280 lots depuis le mois de janvier, pendant le mandat. Déploiement yon force spécialisée pour venir mettre l'autre dans des zones. Ou en Toussaint, pour ou à Créole, Port-au-Prince.